Salut à tous, c'est Elgoléador. Alors j'espère que tout va bien pour vous. Alors moi de mon côté, tranquillement, j'ai récupéré enfin mon PC, donc maintenant ça va un peu plus tourner plus régulièrement. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation, un petit focus sur un joueur récemment transféré de Manchester City à Milan, à l'AC, pour préciser. Alors, il a été uppé suite à ses 4 premiers matchs où il a inscrit 4 à 5 buts. Nous allons pouvoir comparer ses statistiques. Donc, du 84 à l'upload au 85. Alors, on peut remarquer que ses attributs en tant que buteur et finisseur ont clairement bien augmenté de minimum 5 à 6 points un peu partout. Nous pouvons constater ça dans le dribble, dans la finition. Dans le tir à longue distance, dans les pénaltys, dans sa puissance et dans sa reprise de volée. Alors, c'est un attaquant que moi j'utiliserais plutôt comme pivot ou BU avec quelqu'un quand même d'un peu plus rapide sur le côté en duo. Alors, dans ses capacités physiques, on peut remarquer qu'il a gagné en agilité. Son accélération a un petit peu pris, sa réaction, il a un plus 10 en réaction et un plus 9 en endurance. Donc beaucoup plus endurant le Balotelli, qui en fait juste une armoire à glace. C'est pour ça que je vous dis en tant que pivot, il est génial. Les défenseurs adverses ont vraiment du mal à lui prendre le ballon. Alors, qualité mentale, on voit qu'il a pris un plus 10. En agression, donc un peu plus speedé le Balotelli. Alors, vous allez pouvoir voir dans le match, les premières phases sont en tant que pivot. Ensuite, vous allez pouvoir constater ses statistiques en tant que tireur pour après terminer sur ses attributs de finisseur et de buteur. Alors, je vous en remercie tous pour ce visionnage. Peace, les gars. À bientôt. Anticipation sur cette passe. Oh, ça peut aller. Ouais, c'est bien donné ça. Oh, ça va. Regardez comme il marque ce but, pressé par le défenseur. De Rico. Dans le télé. On s'approche du but. Oh, quel bon ballon!